C'est le problème de comment ça s'appelle Guppy's Tale en début de run. Ça peut totalement te mettre dans l'ennui, quoi. Tant pis. La room était finie, quoi. J'ai pas vu la petite larme. Ça carie vraiment énormément, Little Brimstone, au début. C'est très impressionnant. C'est reparti pour le Vortex de Reset. Non, je suis pas vraiment seul. Je me battais contre les éléments de la run depuis un moment. Fallait qu'elle s'arrête à un moment. J'aurais dû la reset depuis longtemps. Mais je sais pas, je m'amusais. Donc j'ai continué. J'aime bien, c'est un truc que j'aime bien dans le jeu, c'est quand t'as un cœur et que tu dois. Et que tu fais plein de salles et de voir aussi loin que tu peux aller juste avec un seul cœur. C'est quelque chose que j'aime bien. Je suis un peu maso, mais j'aime bien. Meilleur starter, je sais pas. Le nouveau Tech X, il est impressionnant. Il est vraiment extrêmement impressionnant. Of the Blind. Bob's Brain. My Little Unicorn. Non, Little Brimstone, il te carry. Mais même late game, hein, ça permet pas de faire des temps de ouf. Mais j'ai déjà fini des games juste au Little Brimstone, non BFF. Hein. Bon, une fois que tu joues, tu voulais pas t'arrêter, c'est ça. Tu dois adorer The Lost. C'est vrai que je me suis beaucoup amusé ces derniers jours avec The Lost. The Lost avec Holy Mantle en plus, c'est tellement bien. Léo. L'item dont je parle, Tech X, Tech 10, c'est le nouveau technologie. Pareil, on a fait une run hier où j'avais quasiment que ça sans damage up. Et on est arrivé jusqu'au chest sans damage up. Et bien, quoi, c'était... C'est vraiment très très puissant. J'aimerais bien le choper pour faire une petite run avec. J'ai l'impression d'avoir moi-même campé Isaac à force de voir Crane y jouer. Il est extrêmement addictif ce jeu. J'ai jamais vu ce que donnait Tech X avec Brimstone. C'est pas du tout ce que ça fait. Il y a des gens qui disent que c'est bien cet item, mais moi je le trouve pas terrible celui que je viens de reset là. Et attention, il fait très très mal hein, quand ça proc, c'est extrêmement violent. Mais ah, ça peut être sympa ça. Surprise! Super! Super! Donc là, l'item que j'ai ramassé, c'est un item qui te donne un item supplémentaire à ta prochaine run. Mais du coup, je sais même pas si c'est légal de commencer avec l'item en plus. Rogue Legacy, je l'ai déjà testé, j'aime pas, c'est pas mon style de jeu du tout. Ça fait des anneaux de Brimstone, ah ça doit être mignon. Ça doit être extrêmement mignon. Ah bah voilà. Qui va sur 20. Et un anneau de note qui lui dit, donc voilà, j'ai juste envie de voir mon pseudo affiché à l'écran, il s'agit d'une belle et bien d'un don effectué par pur égoïsme, vous ne rêvez pas. Et en plus tu m'as fait perdre du temps à mon speedrun. T'es content? Et moi je perds ma voix. Donc là, faudrait qu'on chope une bombe parce qu'il y a deux bombes pour une bombe plus un rocher marqué. Donc ça vaudra le coup de faire demi-tour si jamais on chope une bombe. Une bombe, j'ai dit pas un. C'est pas là. Bon, la dernière chance de choper une bombe. Hein.
Eh ben non. C'est dommage. Yop, Loïs Gab. Mais je suis le plus heureux du monde, Crane, tu t'imagines pas. Bah, si ça peut me rendre heureux, ça me fait plaisir. Ou Desiu. On va faire encore un run sans clé parce que j'en ai un petit peu marre. Attends, il faudrait que j'arrive. Voilà. C'est bon. Si on a un loot au milieu, on l'aura comme ça. Hop. Des bombes. T'as prié pour une clé? Non mais non. Je sais pas ce que ça fait ça. Les kickers kind of. Par contre, c'est relou là. En vrai. Non. Ok, on n'a pas besoin du cœur en plus. Maintenant, on en a besoin. Encore pas de clé. C'est pas la fête. C'est pas la fête. D'accord, c'est un trinket du troll. Toujours pas de clé, hein. J'en ai marre. Voilà. Mets-moi une clé que je peux pas atteindre. Va. Voilà. Va mourir. Cordialement. Et demi-tour. Pas de sous dans la machine, donc on va aller dans l'item room en espérant que ce soit utile. Première clé, c'est Noël. C'est Noël. Du défensif. C'est pas chaud de loot zéro clé comme ça, bah c'est pas l'idéal. Hein, je préférerais en loot. Il aille sur moi. Je peux pas prendre le deal. Oh, j'aurais pu prendre le deal. Non, j'aurais pas. Ah si, j'ai perdu un de vie ensuite. Tant pis. De toute façon, j'ai déjà 3 orbitaux, donc c'est pas trop grave. Même si le couteau, c'est génial. Pas de clé, non, les clés, ça sert à rien.
suis coincé. Je suis coincé dans un champignon. Oh mon dieu, une clé. Une clé. Ouais, non. Moi aussi. Allez, hop. Vous avez vu où on en est réduit? Utiliser un bouc d'invulnérabilité pour aller chercher une clé, quoi. Regardez le timer, déjà 6 minutes 30. Plus jamais je vais regretter les runs au couteau. J'adore le couteau sur Afterbirth. C'est plus que jamais. Non, plus jamais. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Déjà 8 minutes, non, c'est pourri. C'est tout pourri. On chope pas d'item offensif. Ah, c'est un XL, peut-être gagner du temps. Peut-être gagner du temps, voilà. On va juste trouver le bon chemin. J'avais une question sur le chat, je veux y répondre, mais là c'est juste pas possible sur ce type de room. Oui, j'ai débloqué le personnage du Green Mode, j'ai tout fait. Oh, t'es sérieux? Ah!
façon, 11 minutes. 11 minutes, c'est mort. C'est mort. Non, j'ai toujours pas testé Battlefront. Il va falloir que je le fasse un jour, quand même. Mais Ryan, il m'a dit non. Il m'a interdit d'y jouer. J'ai pas le droit. Petit bécac. Super. Putain, le mob se décale juste au moment où je tire, quoi. Va mourir. Va mourir. Le but de la run d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire du 7K et de me rendre compte que Afterbirth, c'est pourri pour le speedrun. C'est encore plus basé sur la chance qu'avant. C'est une clé qu'il fallait me donner, les Billy. Une clé, on a dit. Une clé? C'est quoi le principe du jeu avec les clés, là? Clé? Petite clé. Non, pas de clé. Pas de clé. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Alors, ça fait que il est là. Plus de Black Earth when Isaac has no red earth, ça t'y donne give. Apparemment, ça donne le vol quand t'as pas de... Ça file 2 Black Earth de toute façon. Et je vais voler. Ah voilà, je vole. Ah, c'est cool. Allez, on va faire ça. Pourquoi j'étais là, mais c'est pas grave. J'ai pas de clé, attends. C'est pas ça que je voulais voter, ça. Pourquoi j'étais là, en vrai? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Non, j'ai pas le choix. Ok, ça change rien. Ça change rien. Clé? Non, pas de clé. Petite clé? Non, pas de clé. Ah, une petite clé. No leaf. Oui, ils vont sauter par-dessus toutes mes tous mes IPCAC.
Non, si, pas de range. D'une clé et un truc qui sert à rien, je pourrais faire proc mon trinket même. Ils sont super chiants eux, eux aussi ceci. Okay. Bon, bien ensemble. Eh bien, salut l'Urgoyf. Mon dieu, une autre clé. Alors, attends. En haut et là la grande salle, moi super super super. Ah. Ça par contre c'est chiant. Mais j'ai IPK, qu'on s'en fout. Ah, c'était pas par là. Acheter un truc à l'étage d'après. Et oui, Matt, et oui, mais demain soir, on continue l'aventure. On continue l'aventure demain soir. Donc, point de panique, ça va reprendre. Ah, mais non, j'ai pas IPK. Je peux tirer normalement. Ou une clé. On commence direct, on trouve le start, on a une clé. Si c'est pas beau. Une bombe, une pièce. C'est bon, on a 1-1-1, on est parfait.
Un cœur. Non mais regarde, regardez-moi ça début de game. Magnifique. Magnifique. Et on va avoir, pour une fois, on va avoir un item de boss génial. Vous allez voir. Un boss pas relou. Pas de me faire toucher. Un HP up, c'est bien pour le Devil Deal. Judas Shadow, c'est cheaté selon le perso. Sur Judas, par exemple, beaucoup de gens le start-up. Hein. Ça va, ça pourrait être pire. Au moins, on aura moins de problèmes de clés. On aura moins de problèmes de clés. Ça n'ouvre pas les coffres. Ok. Ok. Tout va faire super. Super, super. J'hésitais à prendre le remind. Et les bombes. Ça en prendra après. Dommage. Le call, ça va, ça c'est pas mal. Ok, salut Karl. Non, j'ai pas pris la save pour la machine à 999. Il faudra, mais bon, là ça faisait longtemps que j'avais pas fait de speedrun, donc c'est plus me remettre dans le bain qu'autre chose. Hier, j'ai recommencé avec des runs classiques. Là, je retente le 7 car, mais ça ne donne rien de très probant. Ok, d'accord. C'est parti des rooms dont je n'ai pas l'habitude encore. Faut que j'utilise plus ma... genre ma patte. Ma stun. Bien. Ça c'est con. Ça c'est con.
Oh. Dans le shop, t'as loupé la secrète. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait la secrète. Ma faute. Et non. Je devrais aller pour... Oh bah non, je suis... quand même un peu moisi. Je suis un peu moisi des items roumains. J'ai pas fait un run avec... Oh, encore un bon item dans l'item room. Non, c'est la tristesse des item room. Petit coffre aux F. Ah, un guppy qui se profile. Bunny, c'est bizarre. Une Angel Room, fabuleux. Fabuleux, ceci dit, ça c'est sympa. Ça. Ah non, mais on est totalement à la ramasse au niveau du timer, j'avais pas vu. On va continuer quand même des fois que là. Le, comment s'appelle, le guppy arrive, mais bon. Quand tu veux, il me faut des coffres. Je vais même pas zapper les roues, il me faut des coffres. Ah, ce qui peut nous sauver, c'est Guppy. Ouais, j'aurais pu bomber. Ah non, c'est un mystery ça. Vite, vite, vite. Hop. Two of diamonds. Ah.
Super, super. On est déjà à 11 minutes. C'est tellement mort. C'est triste quand même, hein. Item room, boss room, shop, tout ce que tu veux. Donc ça, plus jamais je le prends. J'ai essayé hier, plus jamais. C'est pas très très encourageant, hein, mon premier soir sur le 7K. On a fait des bonnes runs au départ. Bah on a fait des trucs pour au cas où il y ait du DDoS, mais bon, tu peux pas être totalement immunisé. C'est ok. Justice, au moins on aura une clé. The Lovers, merci sur le baby, parfait. Avoir deux cartes. Je savais que c'était l'item. Tous les coups. Ça fera du speed. Ça fera du speed. Le premier item était le meilleur item pour ce build. Tu magic mushroom? Bah non.
Ok, on n'a pas de clé, mais c'est pas grave. Un HP à plus, ça permet d'en prendre deux si besoin. Aucune idée de ce à quoi ça sert. Non, ça va servir à rien. Ça... On va tester, on verra bien. Même ça sert à rien. Mais... Il y a du damage job, donc de toute façon c'est bien. Non, je bombe pas les portes sur les deux premiers étages. Pas sur les deux premiers étages. De toute façon, même là il faudrait pas, parce qu'il me faut des clés. Ça sert à rien. Du range, super, super. Tu peux avoir un item utile, c'est pas possible. Ou une clé. Avec Docteur Fetus, quel item marche bien? Triple shot, quad shot, des choses comme ça. Je sais pas si le double shot avec l'extension fonctionne maintenant. Je vais probablement jouer à Vermintide avec Bob, Fred, etc. Super, donc j'ai ma stun. Il m'aurait filé la réduc, je dis pas. Et bien sûr, je trouve pas l'item. C'est parfait, de toute façon, j'ai pas de clé donc. Magnifique, HP absent, rien derrière. Ça marche pas sur le premier.
super. Ah, ma clé. Ah, parfait. Parfait. Ah, ça va. Il est gentil, le jeu. Ça, c'est très bien, mais pas pour speedrun, quoi. Reroll rewards. Comment ça, reroll rewards? Ça reroll pas la pièce? Ça a changé? Super. Je refais la même. Souci moteur. C'est chiant, j'ai pas assez de speed. Ah si, c'est bon, c'est passé. Magnifique. La tête de Krampus. Le temps il est pourri, donc voilà. Comment je fais des temps aussi pourris avec ces items? Après j'aurais pu tout zapper en allant vite dans les portes, mais je chope pas d'items, je chope pas damage up, je chope rien. Un épique fœtus de base, c'est la tristesse plus tard. J'ai ma stun, galère à choper des clés, j'arrive à rien acheter de bien, je sape pas de damage up. Tu as l'air complètement crevé. Non, j'ai l'air comme d'habitude quand il est 2h du matin vers la fin du stream. J'avoue, j'ai eu des starters rapides, mais avoir des starters rapides sur Blue Baby, Osef, hein, c'est sur les autres persos qu'il faut avoir des starters rapides. Celui-là, tu reset 20 ans, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir des runs rapides. Mais j'arrive pas à faire des runs rapides. Mais je chope que dalle en item, quoi. C'est la tristesse, les David Deals, c'est la tristesse, les items room, c'est la tristesse, le shop, c'est la tristesse. Non, c'est tout. Je suis toujours plus calme en fin de stream parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie en début de stream. Mais là, je suis pas couché avant 7-8 heures du matin, donc je me considère pas hyper crevé. Puis oubliez pas, je prends pas de pause, hein, donc vous pouvez pas me demander d'être dans le même état en début de stream et en fin de stream. Donc sachez-le, en fin de stream, j'ai pas la même énergie qu'en début de stream. Tristesse égale gâteau au chocolat. Bon, même sur Gaming Live, hein, je suis pas du tout dans le même état à 2h du mat et à... Ceci dit que c'est vrai, mine de rien, sur Gaming Live, je fais des pauses. Et les pauses, je suis sûr que ça me recharge. Je fais des pauses forcées avec la pub.
D'accord, Grada. Non, ce sera la dernière run. Je crois qu'il y a Maudie qui stream. Je suis en train de louper le stream de Maudie à cause de vous. Ah, en vrai, c'est l'œil noir. C'est moins grave. Enfoiré. Mais j'aime pas les pauses, tu mets de la pub parce que tu vas en pause et tout le monde se barre. J'aime pas ça. Alors j'aime point. Yop Velk. Bah ça va bien, je te remercie. Yop pom pom. On aura fait deux runs en sub 20 avec Blue Baby. Le reste c'était pas terrible. Dommage que la première run en sub 20, j'ai fait les boulettes avec mes doigts. Allez, on start. Est-ce que le jeu me taunt et me donne pas de clé par la suite? Il me donne une bombe au moins. Est-ce que c'est par là? Malheureusement, enfin. Point de clé. Non, faut pas que je l'aille jusqu'à avoir mon PB. En plus, Khalid s'abonne si j'ai pas mon PB, donc. Voilà quoi. Un jour à marquer une pierre blanche, je crois. Un item de boss correct après un magic mushroom, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, pas de clé, hein, parce qu'il faut pas non plus trop en demander. Bien sûr, une chance sur deux sur le chemin. Je prends le mauvais. Ah, mais c'était pour avoir une clé. C'est donc pour ça le jeu. Ça va. Heureusement, il n'y avait pas d'explosif parce que c'est toujours dangereux. Bon, t'es chiant. T'es chiant. Entre toi et moi. Je te le dis comme je le pense. Ça, Joseph. Oui, bien sûr, voilà, ça m'aurait étonné, hein. C'était bien parti. Il fallait que c'était pour me troller. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi il fait des bruits tout bizarres? Ah, c'est lui qui fait des bruits bizarres. Ça fait 5, ça sert à rien. Bon, c'est pas si mal. Bon, c'est pas fabuleux, mais on a vu pire. On a vu pire. Par contre, faut exagérer. Dommage, j'aurais bien vu une deuxième pièce de guppy. Sentez bien.
On n'a pas de clé, donc on va pas faire demi. On va faire demi-tour. Alors, en espérant qu'elle soit pas loin. On est à 11, on va continuer de faire un tout petit peu demi-tour pour aller chercher l'item room. Si on fait 4 pièces, pas tant mieux. Clé. Bah il y a de la musique. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de musique, Rezno? Bon, décidément, mon idée d'aller chercher l'item room, c'était pourri. Hein. C'était pourri, c'était le plus loin possible. Perte de temps en masse. Non, y a rien. Bon, ça va. Trois items room, deux items qu'on peut pas ramasser, quoi. C'est relou. C'est relou. Ah, dommage, j'aurais bien aimé acheter le Zer's Option. Là, par exemple, j'aurais eu la save du speedrun, j'aurais acheté le Zer's Option, ça aurait énormément aidé. Donc il faut absolument que je soumette la save du speedrun. Ça fait toucher, c'est cool. Ça c'est bien. On va pas aller voir. On va pas aller voir non plus. Oh, je suis persuadé d'avoir le temps de le tuer, non. S, 14, ok. Ils sont beaucoup quand même. Continue. On est déjà 6:34, ça passe tellement vite. Tempérance. Et je fais du full clear, parce que c'est plus marrant. Merci les mouches. Devil Deal. Oui, on prend ça. Ok, oui, deux Devil Deal à prendre. C'est quoi ça déjà? Quand tu te fais toucher, il se passe des trucs. Je crois que c'est pourri. Hein. Je crois que c'est pourri. On va aller voir vite fait. Ouais, on se pourrit. On est déjà à 8 minutes. Bon, ça va, on est dans Depth 1. Si Depth 1 et Depth 2 sont rapides, on peut encore faire quelque chose. Hop. Je peux pas y aller, c'est une perte de temps de ouf, c'est trop bien.
blank card, ça peut être bien, mais on est tellement en galère de DPS. On est tellement en galère de DPS. Par contre, il me faut absolument 3 pièces. Il me faut 3 pièces. Deux pièces. Non mais je peux reset. Hein. Je peux reset. Je vais finir la run histoire de, mais c'est tellement lent. Attends, j'ai pas l'impression de me traîner. J'ai pas l'impression de faire des mauvais choix. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. HP à cause F et bien sûr Franctus. Fabuleux. 11h43. Non mais ça sert à rien que je finisse le run. C'est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Normalement c'est par là. Magnifique. Et pourquoi c'est pas là? Pourtant, j'avais calculé.
Il est chiant l'autre à glisser là sur la gauche. Oh, j'ai du damage, hein, je comprends pas. Cette vitesse de tir qui manque, c'est quoi? Ça doit arriver. Histoire de ne pas avoir de Devil Deal, ça sera mieux. Bon, ça sert à rien de continuer une run. 14:35.